Salut à toi, c'est Vincent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas devoir t'y prendre pour pouvoir vendre sur internet, pouvoir gagner au minimum 1000 euros par mois avec un système qui va être totalement automatisé. Je t'explique tout en détail dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je t'ai mis un lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Si tu veux télécharger un business qui a été préconstruit ou tout le travail a déjà été fait, que tu n'as plus qu'à copier et coller tous les éléments que je vais te donner, alors clique sur ce lien, inscris-toi et tu recevras tout ce dont tu as besoin directement sur ta boîte mail. On se retrouve tout de suite après l'intro pour que je te présente cette fameuse mécanique qui est totalement automatisée. A tout de suite. Cette vidéo, c'est la troisième vidéo d'un programme de formation que je t'offre et tu peux retrouver tout le programme directement sur ma chaîne YouTube. Et à ce stade de la formation, tu es capable de créer une page de vente efficace, donc une page de vente à haut taux de conversion, ça c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo. Tu es capable de créer ton premier produit rapidement, dès ce soir un produit de qualité, de manière à ce que ce soit les clients eux-mêmes qui demandent à acheter le produit, ça c'est ce qu'on a vu dans la deuxième vidéo. Et donc aujourd'hui, troisième vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un système de vente automatisé, un système qui va vendre tes produits pour toi sans aucune action de ta part. Et donc ce que je te montre aujourd'hui, c'est une méthode que j'utilise moi-même et qui m'a permis d'atteindre l'indépendance financière. Donc tu vas pouvoir avoir des résultats rapides si tu appliques scrupuleusement ce que je te montre aujourd'hui. Quand je parle de résultats rapides, je veux dire seulement après quelques mois de lancement de ton business en ligne, tu vas pouvoir gagner minimum 1000 euros par mois. Et ce qui est bien, et tu vas le voir avec cette stratégie, c'est que plus tu vas avancer dans le temps, moins tu auras besoin de fournir le travail, et par contre plus ton chiffre d'affaires va augmenter puisqu'il va être en automatisé. Donc, si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu sais comment je fonctionne. J'ai l'habitude de décomposer mes vidéos en plusieurs étapes pour que ce soit plus agréable à suivre pour toi. Donc, cette vidéo, elle va te décomposer en quatre étapes. Alors, avant de continuer, euh, comme je te l'ai dit, ce programme de formation, il est gratuit. J'ai l'habitude de publier plusieurs formations gratuites de ce type. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes les nouvelles formations gratuites qui seront publiées sur la chaîne. Donc, première étape de cette vidéo, on va voir ensemble quel est le processus d'un tunnel de vente. Parce que oui, pour automatiser un business, il faut forcément passer par un tunnel de vente. On va voir comment ça fonctionne. Deuxième étape, je vais t'expliquer quels sont les outils et quel est le budget nécessaire pour automatiser un business. Tu vas voir que c'est accessible pour tout le monde. Troisième étape, on va voir ensemble quelles sont les trois meilleures stratégies, donc des stratégies qui rapportent. Parce qu'avoir un tunnel de vente, c'est bien, mais si tu n'as pas de stratégie dans ton tunnel de vente, il ne te sert absolument à rien. Et enfin, quatrième et dernière étape, on va voir quelles sont les sources de trafic possibles. Parce que là aussi, avoir un tunnel de vente, c'est très bien, mais s'il n'y a jamais personne qui rentre dans ton tunnel de vente, eh bien, il ne sert absolument à rien. Donc, première étape, le processus d'un tunnel de vente, comment ça fonctionne Alors, un tunnel de vente, c'est comme un système d'entonnoir. Donc, il y a une entrée et il y a une sortie. Donc, ici, c'est l'entrée du tunnel de vente. Et ici, on a nos prospects, donc des contacts, des gens qu'on va essayer de convertir en clients. Et la première étape de notre tunnel de vente, ça va être la page de capture. Donc, ici, pour l'exemple, et pour chiffrer un petit peu toutes ces, toutes ces données, on a 1000 personnes qui rentrent dans le tunnel de vente, ce qui fait donc 100% des personnes, ok Et donc, pour pouvoir les faire rentrer dans le tunnel de vente, on a ce qu'on appelle une page de capture d'email avec un, généralement un envoi de cadeau. Donc par exemple, ça peut être euh, sur certaines de mes vidéos, tu as dû voir que j'appelle les gens à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo s'ils veulent avoir un e-book gratuit, s'ils veulent avoir une formation gratuite ou quelque chose de gratuit, un contenu offert. Et donc, les gens donnent leur adresse mail, s'inscrivent pour pouvoir recevoir le cadeau. Et en fait, c'est l'entrée du tunnel de vente, tout simplement. Donc, là, on a là, les, toutes ces personnes qui sont rentrées dans le tunnel de vente et ça leur envoie des séquences de mails. Alors, les séquences de mails, ça veut dire qu'il y a des envois automatiques de mails que tu as rédigés à l'avance qui ont pour but eh bien, soit de fournir le contenu gratuit qui était présenté ici, soit de commencer à promouvoir un produit pour pousser les gens à l'achat. Et donc, rien qu'à cette étape, donc l'étape de ce, séquence de mail, on a déjà une sortie. La sortie, c'est quoi Ça veut dire que les gens qui sont rentrés ici, bah, potentiellement, ils ne veulent plus rester dans le tunnel de vente. Ils vont sortir de ce tunnel et ça représente à peu près eh bien, 10% des gens à l'étape de séquence de mail. Donc, comment ils font pour sortir du tunnel de vente bah, C'est simplement quand ils reçoivent un email, il y a toujours tout en bas une partie « se désabonner ». Vous savez, quand tu cliques sur « se désabonner bah, », en clair, tu sors d'un tunnel de vente. Donc là, on a 10% des gens qui sont sortis, ça veut dire que sur les 1000 qui sont rentrés, on n'a plus que 90%, donc 900 personnes. Ensuite, l'étape suivante, c'est le panier, parce que dans les séquences de mails, il y a toute une procédure qui se met en place pour vendre et faire la promotion d'un produit. Et donc, les gens, lorsqu'ils cliquent par exemple sur un lien dans un, un mail qu'ils vont recevoir, ce lien va les emmener vers une page de vente. Donc, on a vu dans la première vidéo comment créer une page de vente. Et donc, cette personne est intéressée, elle va cliquer sur bah, je veux acheter le produit. Donc, elle clique sur acheter, elle va arriver donc sur un formulaire de paiement sécurisé. Et donc, là, elle est dans ce qu'on appelle le panier. Et donc, dans ce panier, il y a en règle générale, eh bien. Très peu de personnes qui rentrent dedans. C'est-à-dire que sur les 900 personnes qui sont là, il n'y en a que 10% qui vont arriver au stade de panier. Tous les autres, ils ne vont pas être intéressés, ils ne vont pas cliquer. Et donc, il y a encore une fois une perte ici. C'est-à-dire que sur les 900 personnes à qui tu as envoyé un mail pour vendre un produit, il y en a 10% qui vont partir. Donc, il va rester plus que 800 personnes. Il y a donc on aura ici plus que 800 personnes dans le tunnel de vente et seulement 10 personnes donc à peu près euh, ici une centaine de personnes environ 90 personnes qui seront arrivées au panier. OK Ensuite, de ces personnes, il y en aura seulement quelques-uns qui vont passer à l'achat, qui vont acheter le produit. Et ça ça va représenter une faible, vraiment très faible catégorie de personnes et c'est pourtant sur ça qu'on va euh, créer notre chiffre d'affaires. Tu vois ici, il y a qu'une personne, ça représente entre 1 et 2% des gens qu'il y avait ici, donc il y a seulement un, un entre 1 et 2% des gens qui achètent le produit que tu as à vendre. Donc tu as vu le but d'un tunnel de vente, c'est de vendre en masse, c'est de vendre beaucoup, beaucoup. Et plus ton tunnel de vente sera efficace, plus tu vas augmenter ici le chiffre. Moi par exemple, j'ai un taux de conversion qui est entre 3 et 4%. Ça dépend des business. Il y a des business où c'est un peu plus important. Mais en moyenne, entre 3 et 4 Mais fais le calcul. Si ici, ne serait-ce que là, si tu as un tunnel de vente basique et que tu fais, on va dire, les, un tunnel de vente faible, qui ne convertit pas vraiment beaucoup, tu as seulement 1 Mais par contre, tu as 1000 personnes qui rentrent dans ton tunnel de vente et il y a 1 de ces 1000 personnes qui vont acheter le produit. Et donc, ça fait 10 personnes qui passent à l'achat. Si tu vends des produits à 100 euros, ça fait que tu vas gagner 1000 euros en rentrant 1000 personnes et en n'ayant que que 1% d'achat sur ces 1000 personnes. Tu vois, donc ça peut aller très très vite. Quand on comprend ça et qu'on analyse ces chiffres, on comprend qu'en fait, toute la clé, elle est dans le nombre de personnes qui rentrent dans ton tunnel de vente. Et après, bien sûr, l'amélioration de ce tunnel. Mais ça, on verra par la suite comment faire. Donc Et ensuite, il y a d'autres stratégies qui se mettent en place. Ça, c'est la première phase du tunnel de vente. La personne qui est passée à l'achat, elle va te permettre donc de gagner l'argent de ce qu'elle vient d'acheter. Mais en plus de ça, on va... Capitaliser sur cette personne. Comment on va faire On va la faire rentrer dans un autre tunnel de vente qu'on va créer l'entrée d'un tunnel de vente numéro 2 qui est spécial client. Ça veut dire qu'une personne, une fois qu'elle est passée à l'achat, le but c'est de la fidéliser. Parce que faire en sorte qu'elle aime ton produit, qu'elle aime ton service client, qu'elle aime l'accompagnement que tu vas lui donner pour lui permettre ensuite eh bien, de lui vendre un produit additionnel. Donc une personne qui va acheter un produit à 97 euros, bah peut-être qu'au final, eh bien, sur une année complète, à la fin, tu auras réussi à lui, à lui vendre le double, le triple, le quadruple. Et c'est pour ça qu'il y a une importance à avoir un bon produit qui apporte vraiment une solution et avoir une bonne page de vente. Donc vraiment bien suivre les deux premières vidéos de cette formation. Et donc, ce n'est pas fini parce que dans ce tunnel de vente, on a donc seulement entre 1 et 2 des personnes qui sont entrées dans le tunnel de vente qui ont acheté le produit, mais il y a quand même ces 800 là. Il y a 800 personnes, on est d'accord, ils sont pas sortis, ce sont pas des inscrits c'est-à-dire qu'ils n'ont pas acheté le produit, mais pour autant, ils n'ont pas cliqué sur le bouton se désabonner dans les emails. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que peut-être que c'est l'offre qui ne les intéresse pas, peut-être que c'est le prix qui est trop cher pour eux. Donc on va pouvoir les faire entrer dans un autre tunnel de vente qui va être simplement une stratégie le tunnel de vente, entrée tunnel de vente numéro 2, donc soit pour vendre un produit moins cher donc on aura euh, conçu et optimisé et paramétré ce tunnel de vente numéro 2 pour pouvoir vendre un produit moins cher ou peut-être simplement faire une promotion du même produit qu'on vendait ici tout simplement, donc on renvoie ces 800 personnes dans un autre tunnel de vente, et là aussi il y a le même tri qui va s'opérer sur les 800 personnes qui vont rentrer dans ce tunnel de vente. Et eh bien, il y en a 10% à la première étape qui vont s'enfuir, et sur ces 800, tu verras qu'il y aura toujours entre 1 et 2% qui vont acheter le produit. Donc, sur cette deuxième vague, on va encore vendre un produit peut-être moins cher, donc un peu moins de chiffre d'affaires, mais on aura les mêmes pourcentages de conversion. Okay. donc le système de vente il fonctionne de cette manière maintenant le contenu du tunnel de vente on va voir ensemble comment faire pour mettre en place des stratégies pour mettre en place différentes choses et pour automatiser ce business on va voir quel outil on va pouvoir utiliser donc par exemple pour te donner quelques chiffres du 1er avril au 19 avril 2020 hein, là on est le 20 avril j'ai enregistré sur un business 2705 euros et 85 centimes tout ça en automatique hein. et euh, pour avoir ce chiffre-là, j'ai obtenu 621 contacts. Et ça fait donc 100% automatisé. Tout ça, c'est 100% automatisé. Ça donne à peu près 4,36 euros par contact. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne renseigne son adresse mail sur ce business, là, ça fait comme si je gagnais 4,36 euros. Par contre, sur ce tunnel de vente-là, j'ai un taux de conversion qui est un peu plus important. Comme je te dis, qui est entre 3 et 4 voire 4 et 5 Mais ça, c'est en fonction de la qualité de ton tunnel de vente. Ça, c'est juste pour que tu vois un petit peu les choses. J'ai déjà présenté les chiffres dans les premières et deuxièmes vidéos. Donc, je t'invite à aller regarder pour voir un petit peu les résultats que je te présente. Ensuite, on va voir ensemble donc quels sont les outils que tu as besoin et quel budget tu as besoin pour lancer un business. Alors déjà, il y a plusieurs solutions qui existent pour créer un tunnel de vente. Il y a des solutions qui sont des solutions tout en un. Donc là, on en connaît, on en voit un peu passer partout, comme System.io, Learnybox, Clickfunnel, etc. Alors il y a tout et son contraire dans les tout en un. Tout en un, système.io, c'est des prix qui sont plutôt abordables. On est à peu près à 27 euros par mois sur le, la première entrée, le, le, le premier prix en fait de système.io. Lernibox est beaucoup plus cher, c'est 97 euros par mois. ClickFunnel, c'est le même système, 97 euros par mois. C'est des produits qui sont chers parce que justement, il y a tout qui est contenu dedans. Hein. Tu as la possibilité de créer des pages de vente, de créer des pages de capture, d'envoyer de, des emails. Tu peux tout faire au même endroit. Alors il y a des gens qui vont dire c'est très bien. Moi, je pense que c'est bien. Quand on débute, lorsqu'on n'a pas suffisamment de connaissances techniques. Donc, oui, là par contre, euh, système.io par exemple, c'est pas mal, hein, 27 euros, c'est pas mal pour débuter, mais il faudra assez rapidement passer sur autre chose, puisque bah, bah, comme, euh, ce que j'aime bien dire, c'est que généralement, quand je vais acheter du pain, je vais pas chez le boucher. Donc, forcément, système.io ou, ou Learning Box, un système qui fait tout, qui envoie des mails, qui crée des pages, qui fait tout, bah, il y a un des secteurs dans lesquels il va être moins performant. Peut-être que les mails seront moins performants, peut-être que les mails qui vont être envoyés vont arriver en spam. C'est ce, ce qui se remarque beaucoup avec Learning Box, par exemple. Voilà, donc ce n'est pas forcément le, le mieux de tout rassembler les services en un, en, sur une seule plateforme. Donc moi, je vais te présenter ce que moi j'ai choisi, comment fonctionnent mes business. Et d'ailleurs, ça peut être moins cher, d'ailleurs. Donc, quels outils tu as besoin La première chose qu'il te faut, c'est un site, un blog. Si tu passes pas par ces euh, services-là, par, euh, par ces, services hein, ces plateformes-là. Donc, moi, j'ai choisi de prendre un blog, donc un site web avec WordPress. Ça coûte environ 9,99€ euros ,99€ par mois. D'accord Donc, ça, c'est si tu choisis un blog juste pour faire de la vente. C'est-à-dire que le but, c'est de créer un tunnel de vente, pas de faire du blogging. Si tu veux du blogging, donc en gros, vendre avec ton blog, c'est-à-dire euh, te faire référencer sur Google, tout ça, et ça va plus coûter 25 euros par mois à peu près. Si ce n'est pas le but, c'est 9,99€ euros et c'est pas par mois. Euh, si c'est par mois, c'est par mois. Donc un site web blog, 9,99€ par mois. Tu peux avoir moins cher, mais après la qualité, elle laisse à désirer. Donc, première chose qu'il te faut, c'est un créateur de page de capture. Donc, ça, c'est la première étape du tunnel de vente. On a vu qu'il fallait offrir un cadeau et en échange, récolter une adresse email. Comment faire Il faut utiliser ThriveLead. ThriveLead, c'est une extension que tu vas pouvoir installer sur WordPress. WordPress, c'est un créateur, un générateur de sites web, d'accord donc, Srivlead, tu vas le payer 67 euros une seule fois. En réalité, c'est 67 dollars. Donc, par rapport au taux de change, on va dire à peu près 60 euros une seule fois. Une fois que tu l'as payé, c'est bon, l'outil est à toi. Donc, ça, c'est vraiment le mieux. Srivlead, c'est le mieux pour capturer des emails. C'est ce qui va te permettre de faire des pop-up ou des choses comme ça sur ton, sur ton site. Ensuite, il va falloir envoyer des séquences de mails. Donc, c'est ce qu'on appelle un mailer. Il va falloir l'envoyer en automatique pour justement te libérer du temps et faire en sorte, comme je te l'ai dit, de bah, plus le temps passe, moins tu de temps à fournir dans ton, dans ton entreprise, mais euh, plus tu gagnes de chiffre d'affaires. Pour ça, il va te falloir un outil comme Sendinblue. Sendinblue, c'est celui que j'utilise moi-même. Alors pour la petite histoire, au tout départ, j'étais avec GetResponse. GetResponse, il y a quelques années de ça, ils étaient pas excellents. Je les ai découverts à mes frais parce que euh, beaucoup de mails arrivaient en spam. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Ils sont, ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs qu'ils ne l'étaient avant. Ils sont vraiment réformés sur beaucoup de choses. Leur mail n'arrive plus en spam. Et euh, il est plus simple d'utilisation que Sendinblue. Donc il est plus simple et moins cher puisque tu vas le trouver à euh, à peu près 15 euros 15€ par mois. Avec euh, vraiment un tout compris, tu vas pouvoir créer des tunnels de vente avec, euh, avec euh, GetResponse ou ça. Mais par, euh, je ne peux pas te le conseiller parce que je ne l'utilise pas. Donc euh, je n'ai pas, pas envie de le faire, de dire... Euh, fais ce que je dis parce que je fais. Moi, j'utilise Sendinblue, Sendinblue, il est très bien puisque si tu débutes, tu vas pouvoir aussi commencer à lancer ton business gratuitement parce qu'il a un, un système de création de compte gratuit. Tu vas pouvoir créer ton tunnel de vente gratuitement. Maintenant, il va falloir peut-être que tu passes un peu plus de temps pour comprendre comment ça fonctionne. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement avoir un tuto de comment créer un tunnel de vente avec Sendinblue, dis-moi-le en commentaire. Si vous êtes suffisamment nombreux à me demander un tuto pour créer un tunnel de vente efficace avec Sendinblue, vu que c'est gratuit, Là, je, te, je le ferai, voilà, si vous êtes suffisamment nombreux à le faire. Si tu veux un compte payant, c'est entre 19 euros et 60 euros par mois. Moi, je paye euh, entre 500 et 600 euros l'année pour, euh, pour mon compte Sendinblue. Ensuite, tu as besoin d'une solution d'encaissement. Donc, en gros, de pouvoir enregistrer des paniers, de créer des formulaires de vente sécurisés, d'héberger aussi euh, tes formations, tes produits à vendre. Pour ça, ce que je te conseille, c'est Kuneo. Kuneo, c'est ce que j'utilise. Kuneo, ça va te coûter 27 euros par mois. Donc c'est euh, top. Et ce qui est bien, Kuneo c'est que le prix il augmente parce que normalement euh, un service similaire à Kuneo, ça coûte à peu près 97 euros par mois. Kuneo c'est 27 euros par mois, c'est un service qui est français. Donc si tu as des problèmes, si tu, tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu peux envoyer un mail au service client, ils te répondront rapidement et en français. Donc euh, là c'est top. Et en plus de ça, ton, ta mensualité de 27 euros elle augmentera seulement une fois que tu auras dépassé les 1500 euros de chiffre d'affaires. Donc en gros, une fois que tu auras quasiment atteint ton indépendance financière. Donc euh, c'est plutôt pas mal. Et tu as besoin donc pour la vente d'un service d'hébergement de, euh, de tes formations, hébergement de tes produits, que ce soit physique ou, euh, ou immatériel. Et donc là, c'est toujours Kuneo que je te conseille, en sachant que là, j'ai remis 27 euros, mais bien sûr, si tu le prends pour ta solution d'encaissement, ça fonctionnera aussi pour ta solution d'hébergement de tes formations. Donc, ça, c'était pour la présentation de ce que tu as besoin comme outil. Alors, pour en faire un petit résumé, ici au niveau du budget, tu as plusieurs formules. Tu as la formule. System.io, quelle est la formule la meilleure certainement pour les débutants, puisque dessus tu peux créer page de vente, tu peux créer un blog, tu peux créer un tunnel de vente. Tu peux créer euh, quoi d'autre Tu peux créer euh, l'hébergement de tes formations. Tu peux tout faire en fait. Tout ce que je viens de te dire, tu peux le faire avec System.io pour 27 euros par mois. C'est pour ça que c'est une solution que je propose toujours à ceux qui débutent. Maintenant, c'est limité puisque euh, même si tu prends une formule un peu plus élaborée auprès de System.io, donc à 97 euros par mois, tu vas pouvoir rentrer que 15 000 contacts. Au-dessus de 15 000, c'est tout, tout un bazar. Donc euh, voilà, 15 000 contacts. Euh, une fois que tu es dans, réellement dans le business en ligne, ça va vite d'avoir les 15 000 contacts. Donc. Je te le conseille au début. Si tu ne veux pas dépenser beaucoup, si tu n'es pas sûr de ton coût, prends système système.io. Maintenant, si tu as envie vraiment de passer dans du concret et d'être un peu plus libre dans la conception de tes pages de vente, dans la conception de tout ton tunnel de vente, je te conseille de prendre la deuxième formule. C'est la formule à 36,99 euros par mois, plus 67 euros en une seule fois. Puisque tu vas pouvoir prendre Sendinblue Blue, plus euh, Thrive Leads, plus tu vas pouvoir prendre Kuneo. Donc, tu es à 36,99 euros par mois, ce qui est largement abordable. On n'est pas beaucoup plus cher que là. Et tu as une liberté de création qui est beaucoup plus importante que sur système.io, sur qui est quand même très, très limitée. Sans compter que système.io, l'envoi des mails, il n'est pas excellent. Hein. L'envoi des mails, euh, on va dire, euh, allez, 8 fois sur 10, ça arrive bien dans la boîte de tes contacts. 2 fois sur 10, ça arrive en spam. Donc, euh, des, des mails qui arrivent en spam, il n'y a aucun intérêt. Troisième formule, c'est la formule complète, c'est ce, euh, ce que je te conseille si tu veux lancer un nouveau business et que tu as déjà une expérience. Là, c'est euh, Sendinblue plus SriVelit plus Kuneo plus euh, la création d'un blog. Vraiment avancé, c'est à dire que si tu veux créer, tu veux faire du blogging et gagner de l'argent avec ton blog, le faire référencer sur Google, créer des articles tous les jours, etc., euh, là il va falloir quand même un peu plus et on est à 110 euros par mois minimum. Moi pour mes business, mais attention, mes business aujourd'hui j'en suis à à peu près 300 euros de frais par mois. À côté de ça, j'ai pas de frais d'essence, je déplace pas de chez moi, j'ai pas de frais comme si j'étais salarié et en plus de ça, c'est euh, largement, très, très largement rentabilisé. Et j ai, j ai été, ça a été évolutif. Hein. Les premiers business que j'ai lancés, je les ai, ai lancés lancé avec 27 euros par mois. Ensuite, euh, les trois meilleures stratégies. Parce que comme je t'ai dit, avoir un tunnel de vente, c'est très bien. Si ton tunnel de vente il n'a pas de contenu, tu n'arriveras jamais à vendre. Donc, il te faut une stratégie. Donc, je vais te présenter les, stra les trois stratégies que j'ai testées et qui fonctionnent le plus. Donc, première stratégie, c'est la stratégie de la mise en confiance. Donc, stratégie de vente immédiate. Comment ça fonctionne Premièrement, tu offres un cadeau. Donc ça peut être un e-book, quelque chose euh, que tu offres, un contenu gratuit de qualité que tu vas offrir à ton audience. Deuxièmement, la vente d'un produit qui est peu cher. C'est-à-dire que tout de suite, la personne, elle rentre dans ton tunnel de vente, elle va recevoir un mail automatique qui contiendra ton cadeau. Donc par exemple ton e-book, la personne va le télécharger. Et ensuite, le mail qu'elle va recevoir, c'est l'invité à acheter un produit bien spécifique. Donc un produit euh, qui va être peu cher, mais de très bonne qualité. Qui, en fait la qualité de ton produit doit être plus importante que le prix en lui-même ensuite tu vas envoyer des séquences de mail où tu racontes ta vie donc là c'est important que tu sois preuve une preuve sociale de la réussite de ta formation admettons on va se mettre en situation tu vends une formation sur comment arrêter de fumer donc forcément, tu dois raconter ta vie de euh, bah, comment ça s'est passé pour toi lorsque tu as décidé d'arrêter de fumer, quelles ont été tes démarches, et comment tu te sens aujourd'hui, est-ce que tu respires mieux, est-ce que tu manges mieux, est-ce que tu as récupéré l'odorat, est-ce qu'au niveau du sport, ça se passe mieux, voilà. Vraiment raconter ta vie et l'évolution qu'il y a eu depuis que tu as arrêté de fumer, depuis que tu as utilisé ta méthode, par exemple. Et donc à la fin, vendre un produit cher. Et donc ça, c'est une démarche qui met en confiance le client, puisque tu offres un cadeau qui est déjà un contenu de qualité. Ensuite, la personne, séduite par le contenu de qualité que tu as offert dans le cadeau, elle va pouvoir acheter ton produit qui est peu cher. Et encore, en ayant acheté un produit qui est peu cher, elle a vu que la qualité, elle était extrêmement importante et que c'est vraiment une qualité beaucoup plus importante par rapport au prix. Ensuite, tu racontes ta vie, donc tu es une preuve sociale de la réussite de... Ton, de ta formation, de ta solution. Et donc, la personne est emballée, elle prend confiance et elle achète ton produit qui est plus cher. Donc, ça, c'est la stratégie de mise en confiance et elle fonctionne vraiment. On n'est plus sur de la vente long terme. Là, ah, par contre, hein, c'est-à-dire que lorsque la personne rentre dans ton tunnel de vente, peut-être qu'elle va acheter seulement 10 ou 15 jours après. Deuxième stratégie la stratégie du bon samaritain. Gratuit, gratuit, gratuit. Les gens veulent du gratuit, ils veulent de l'offre, donc c'est ce qu'on va faire. On va leur donner du gratuit dans cette méthode. Donc première première étape de cette stratégie, on va pas offrir un e-book, on va pas offrir là, voilà, on va offrir une formation complète gratuite. C'est à dire, il va falloir vraiment se casser la tête pour faire une formation de A à Z qui va être mais vraiment vraiment très euh, très riche en contenu. Et tu vas voir pourquoi on fait ça. Donc formation gratuite. Et ensuite, donc, le contenu doit être, comme je l'ai dit, très très complet et de qualité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le besoin au travers de euh, cette formation. On va reprendre l'exemple, par exemple, de euh, la thématique de euh, J'aide les gens à arrêter de fumer. Donc, admettons, voilà, je crée une formation gratuite. Et dans cette formation, je vais clairement donner une solution, une méthode en euh, 15 jours pour aider les gens à arrêter de fumer. Et ce que je fais, c'est qu'à la fin de cette formation, je crée le besoin. Comment je fais pour créer le besoin J'en dis attention, par contre, vous avez arrêté de fumer, il y a 90% des gens qui, euh, 20 jours après avoir été de fumer, prennent tant de kilos. Admettons. Donc forcément, les gens se disent ouais, 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 moi je ne veux pas grossir ou je ne veux pas avoir ça. Ou alors peut-être que tu peux créer le besoin en disant bah, Voilà, 30 jours après avoir été de fumer, tu vas recevoir les vrais manques. Tu vas avoir les vrais manques de la nicotine et c'est là où il faut agir vite. Et donc ta formation, elle est terminée. La formation, ils l'ont déjà consommée. Et c'est là où tu vas proposer une formation qui est en relation avec le besoin que tu as créé. Donc par exemple, ça peut être une formation sur comment faire pour continuer à arrêter de fumer sans prendre de kilos. Comment faire pour ne pas compenser son manque de nicotine par la nourriture. Comment faire pour euh, voilà, comment faire, comment faire, comment faire. Et donc tu donnes une solution au besoin que tu as créé. Ça, c'est une stratégie qui est extrêmement puissante. Mais par contre, il faut la maîtriser. Il faut être capable justement d'étudier la formation que tu vas offrir. Ensuite, troisième stratégie, c'est la stratégie du conférencier. Donc là, on est dans la vente direct directe. Donc française, français, en gros, c'est-à-dire que l'entrée de ton tunnel de vente direct, le contenu gratuit que tu vas faire, c'est une conférence gratuite qui va porter sur un sujet bien précis. Et donc, la, la première étape, c'est l'inscription à une rediffusion de webconférence. Donc en gros, une fois que as une petite audience, tu vas pouvoir donner une date de webconférence. Tu fais ta webconférence où tu présentes ta formation gratuite, et donc il y a un effet de groupe qui se passe et ça permet des ventes de produits en masse. Par exemple, si il y a des conférences, il y, y a des gens qui, qui fonctionnent, euh, des infopreneurs qui font que comme ça. Donc en gros, euh, ils ont une liste de 10 000 contacts. Ils envoient un mail à tous leurs contacts en disant, ben bah voilà, euh, je vais faire une webconférence sur euh, tel sujet, euh, comment arrêter de fumer en 5 minutes, euh, elle aura lieu à telle date, telle heure. Les gens, ils y vont, donc y a, mettons, euh, si on l envoie euh, un mail à 10 000 contacts, il y a peut-être 1000 personnes qui vont se connecter, et il fait toute la démonstration de sa technique. Mais il crée le besoin, il crée l'envie, d'accord Il y a aussi toute une technique pour créer la, des webconférences. Et à la fin de la webconférence, il invite les gens à acheter son produit. Et donc, il y a un effet de masse qui se fait parce qu'il euh, il joue avec son, son audience, dire, ah, qui est prêt pour acheter et les gens, ils ont le chat à, ils ont la, le, le chat à côté, ils disent oui. Et, et en fait, il y a un effet social qui se crée, les gens ont acheté, donc moi aussi, je vais acheter. Et donc, ça, ça fait vraiment de la vente en masse. et Il y a des gens qui font une webconférence euh, sur une soirée, une heure et ils ils sortir avec des 10 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc, comme je dis, c'est qu'il y a des témoignages, euh, c'est-à-dire qu'une fois que la webconférence, elle est, elle est faite, une fois que la personne, elle a suivi la rediffusion de la webconférence, ben en fait, le reste des séquences d'emails qui vont être envoyées, c'est des témoignages clients. Donc, les gens qui ont acheté la formation, ben en fait, on envoie leurs témoignages vidéo ou écrits au reste des, euh, des gens qui n'ont pas acheté, donc via le tunnel de vente. Et donc ensuite la personne elle arrive dans une autre liste, ce qu'on appelle une campagne, euh, des, des, on va dire des contacts qui ne sont plus dans des tunnels de vente et qu'on va pouvoir démarcher pour acheter, euh, acheter des produits via des campagnes de mailing. Et donc il y a une chose à retenir sur ces trois techniques, sur la mise en place d'un tunnel de vente. Un tunnel de vente qui convertit, qui vend réellement pour toi, il doit contenir trois ingrédients. Le premier ingrédient, c'est un cadeau avec un vrai contenu. Il y a trop de gens qui offrent un cadeau pour dire oui, j'offre un cadeau et j'ai récupéré le mail. Si tu offres un e-book complètement pourri, ça ne sert à rien. Je me suis inscrit il n'y a pas longtemps à un infopreneur qui est nouveau et je vais, je vais taire son nom. J'ai lu l'e-book. C'était du copier-coller d'un autre e-book. Et qui était nul, mais nul, nul, nul. Vraiment, il n'y a pas de fond. Et du coup, bah, quand c'est ça, j'ai lu l'ebook, je n'ai même pas eu envie de lire le reste des mails. Quoi. Donc, il faut vraiment que le contenu soit d'une qualité extrême. Ensuite, il faut qu'il y ait une preuve vivante. C'est-à-dire que tu dois être une preuve vivante de ton produit. Par exemple, moi, sur ce business, je vends euh, des solutions pour que les gens gagnent de l'argent sur Internet. Si moi-même, je ne gagne pas de l'argent sur Internet, comment je peux être crédible Donc, voilà, il faut absolument que tu sois une preuve vivante. Si tu vends une solution pour aider les gens à arrêter de fumer, il faut pas que tu fasses tes vidéos avec la clope au bec. On est bien d'accord. Il faut que tu sois une preuve vivante de ta réussite. Troisième ingrédient, il faut que tu aies des témoignages clients. Donc ça, les témoignages clients, j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, il y a des techniques qui existent pour récolter des témoignages vivants, euh, viv, euh, vivants des témoignages clients. <laughs> Dernière euh, vidéo que j'ai faite sur euh, comment créer une formation où c'était comment… Je ne sais plus dans quelle vidéo, dans quelle, si c'est la première vidéo ou deuxième vidéo de cette formation que j'ai expliqué ça, mais j'ai dit clairement comment faire pour avoir des témoignages clients. La dernière formation que j'ai lancée, j'ai obtenu plus de 20 témoignages alors que la formation n'était toujours pas en vente. Donc voilà, il y a des stratégies qui existent vraiment, il y a des solutions pour tout en business en ligne, sache-le. Et donc, euh, on en vient au dernier point, la source de trafic. Parce que là, on a vu comment créer enfin, euh, quelle est la, la, la conception d'un tunnel de vente, quelle est la mécanique et comment ça fonctionne. Ensuite, on doit voir comment faire en sorte pour que des gens rentrent dans ce tunnel de vente. Donc là, il y a plusieurs solutions. La première, c'est blogging. Tu vas créer des articles tous les jours, tu vas te faire référencer par Google. Si tu as une maîtrise du SEO, donc du référencement sur Google, tu vas pouvoir rentrer des contacts, rentrer beaucoup de contacts même euh, via Google. Maintenant, il y a aussi YouTube. Il y a aussi YouTube pour entrer des contacts. Il y en a qui vont faire de la publicité sur Google, il y en a qui vont faire de la publicité sur YouTube, qui vont créer des chaînes YouTube, qui vont faire que sur Facebook. Il y a énormément de solutions pour capturer un trafic. Maintenant, euh, il y a un truc qu'il faut vraiment être conscient. Et moi, je suis conscient de ça. Je suis conscient de ça grâce à vous, grâce au questionnaire, au sondage que je peux envoyer, aux clients aussi qui ont acheté des produits et qui m'ont fait des remontées. Le plus gros de vos problèmes, c'est le trafic. Ne pas réussir à trouver des sources pour rentrer justement des contacts dans un tunnel de vente. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes capable de vous intéresser et de vous renseigner à comment créer un tunnel de vente, mais vous ne savez pas comment faire en sorte que les gens rentrent dans ce tunnel de vente. Alors, je suis en train de créer un projet, de créer un, un nouveau, une nouvelle plateforme qui va bientôt arriver. Je t'en parlerai encore dans les prochaines vidéos. Le but de cette plateforme, c'est d'une part de créer des tunnels de vente pour toi, parce que tu l'as compris, sans me vanter, j'ai des bons taux de conversion avec mes tunnels de vente. Je gagne assez bien ma vie sans euh, avoir énormément de contacts qui rentrent dans mes tunnels de vente. Je suis, alors pour être honnête, je suis euh, entre euh, 2000 et 4000 euros par mois juste avec mes business sans compter l'affiliation. Avec l'affiliation, je suis à beaucoup plus. Mais euh, avec juste ces systèmes de tunnels de vente, entre 2000 et 4000 euros par mois à l'heure actuelle où je fais la vidéo, ça va encore augmenter parce que j'ai encore d'autres projets de création de chaîne YouTube. Et euh, donc cette plateforme, elle a une, un objectif bien précis c'est de fournir des tunnels de vente. De fournir les produits à vendre de manière à ce que tu n'aies absolument rien à faire et en plus de ça te fournir le trafic. Donc tous les mois je te fournis le trafic qui rentre dans ton tunnel de vente qui est automatisé. En gros, tu as absolument rien à faire, c'est moi qui fais tout pour toi. Ce projet va voir le jour très prochainement. Je suis en train de régler les derniers dispositifs pour que euh, dernier test hein, pour m'assurer que ce que je te présente, que ce que je te propose fonctionne. Concrètement, une fois que tout ça est terminé, eh bien je t'en parlerai de manière plus concrète. Si tu veux en savoir plus et qu'on en échange par mail ou qu'on en échange euh, directement sur cette vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire. Très prochainement, il y aura des préinscriptions qui se feront sur cette plateforme aussi. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à laisser un commentaire pour que je, je sache que tu es intéressé par ce type euh, de contenu. Et donc pour résumer, cette vidéo est bien terminée. On est bien d'accord que je t'ai expliqué toute la procédure pour euh, créer un tunnel de vente. Si tu as besoin d'un tuto pour pouvoir mettre tout ça en pratique, de comment je fais pour que, la, euh, que le mail parte automatiquement sur Sendinblue, comment je fais pour faire passer mon contact d'un tunnel de vente à un autre tunnel de vente, comment je fais, comment je fais, comment je fais, bah dis-moi-le aussi en commentaire. Ça me fera un plaisir vraiment de te faire un tuto de A à Z pour te montrer comment créer ce tunnel de vente. En attendant, je te souhaite une excellente journée. Et avant que ces plateformes sortent, j'ai créé donc un business que tu vas pouvoir télécharger. Euh, clé en main, un business donc, que j'ai conçu de A à Z. Euh, donc je te donne plein de stratégies en fait, pour récupérer des trafics, ensuite pour convertir ce trafic en, euh, en client. Il te suffit de cliquer sur le lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo pour télécharger ce business. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao